Quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe. L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Le cœur de la mer. Dans deux jours, je saurai enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit. Je pourrais sûrement dire adieu à la solitude.
c'est moi que tu appelles? T'as besoin d'aide? J'ai rien contre les parias, moi, tu sais. Mais j'ai pas le droit de te parler, je pourrais avoir des problèmes. Je vois personne d'autre qui pourrait t'aider. Tu as raison. Pardon, je voulais pas être impoli. Mon frère avait été banni, mais sa peine est terminée. Il aurait dû rentrer, mais il l'a pas fait. Il y a du sang partout dans son campement. Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça? Les braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ou seulement blessé? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Cette incertitude, ça me tue. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait trois. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors je suis partie à sa recherche. Pourquoi ton frère a été banni? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absentée une heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Les esprits le lui avaient ordonné, à ce qu'il a dit. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté 10 ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai. Laisse-moi t'accompagner. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le. Attention en bas. Très utile. Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider?
Tu es conscient que les matriarches risquent de te bannir pour m'avoir parlé. Ça m'est égal. J'ai essayé de la retrouver seule, mais ma jambe m'a lâché. Je t'en supplie. Peu m'importe le châtiment tant que je la retrouve en vie. Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule ? C'est ma faute. C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Je vais mettre ça de côté. C'est sûrement Arana. Elle a des ennuis. J'ai cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi. Ma mère l'avait fabriquée juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdue. Il n'a pas fait exprès. Les charognardes sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais, mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci. Va voir ton père.
Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Les armes ne servent à rien sans munitions. La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Le berceau de la mer. Je l'accueille. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. La voilà. Maintenant, la lance. Ah.
machine m'a vu. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Super, je suis bien tombée. Personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Mais voilà, il a l'air nerveux. Bien de pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur répondre. Je me demande ce que je vais bien pouvoir offrir à ma mère pour mon anniversaire. Un nouveau couteau. Toute mère, gloire vous soit rendue pour cette période de paix. Les raids rouges sont de l'histoire ancienne. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour déguerpir ?
D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. De Brom. Occupons-nous de ces veilleurs.
Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Qui est ce couteau? Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Là, un seau. On aurait apporté le sang au campement? Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Sans la pluie, l'air est humide. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Qu'est-ce qu'elle fabrique, ces charognardes? Veilleur, on dirait. Celui que je piste, mais lui a les... Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance.
cette réserve a été pillée. Brom a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt, ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce, comme celle de Lara? Oh, ça fait si longtemps, des années. Ouais, je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés, des âmes maudites par la toute mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom, tu es vivant. Béni soit la toute mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non! Non, ma sœur! Je peux pas te protéger! Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leurs murmures, ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu, mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la Toute-Mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la Toute-Mer t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix. Thank you.
Eh oui, c'est encore la paria orpheline. Allez-y, régalez-vous. Elle enfreint les règles. Je suis tombée à court de munitions normales, alors je me suis fabriquée une poche de... Voilà, il a l'air nerveux. Tiens, 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 une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias ? Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça, j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais ? Je te rassure tout de suite, ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais, mais je suis content de l'entendre. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost.
Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer, de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok. Bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Je dois manigancer quelque chose de pas clair. Je ne sais pas quelle est l'heure 3, mais la chasse a l'air rude. Le voilà. Aloy, tu es là. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder, toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais y avoir bien réfléchi. Je sais.
Alors ne t'inquiète plus, ça ira. Oui, en effet. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit.